Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Notre Bonne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et partagez cette vidéo. Ainsi, vous aiderez beaucoup de monde. Ah! Comment se fait-il qu'une personne qui était riche devienne tout à coup folle? Comme si de rien n'était. Ah! La question que les gens se posent est, mais dans quoi est-elle entrée? Pour devenir folle tout à coup. Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir, c'est hors du commun. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. Aujourd'hui, les jeunes sont prêts à tout pour devenir riches. Même faire des deals avec le diable. Oh, le diable, c'est un faux gars, c'est un faux type, c'est un arnaqueur. Ha! Les gens pensent que le diable, c'est un bon gars et qui peut les rendre riches et rapidement. Mais le problème, c'est la fin. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Suivez-nous allons au studio. Si vous avez peur des choses comme les démons, comme les fous, comme ces choses, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Parce que ici, ce que nous allons voir ici, ce sont des mystères. Des choses mystérieuses. Là, nous sommes d'accord. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Suivez-nous. Comme on vous l'a dit, vous devez absolument partager cette vidéo pour que beaucoup de personnes soient alertées et comprennent certaines choses de la vie. Mes frères et sœurs, ce que vous voyez, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas du fake, ce n'est pas de la frime. Ce sont des choses qui sont réelles. Un homme qui était riche comme ça, qui avait juste beaucoup d'argent, que s'est-il passé pour que tout à coup, il se retrouve là en train de danser comme un fou? On va dire... Il est devenu fou. Que s'est-il réellement passé là? Vous pouvez penser que c'est de la blague, mais ce sont des choses qui sont bel et bien réelles. Écoutez, nous allons voir des choses ici. Nous sommes en famille. Ce qui se passe même dans la vie de tous les jours, c'est pas de la blague. Hein. C'est pas de la blague. Et de plus en plus de jeunes ont décidé d'emprunter ce chemin. C'est-à-dire cette voie, cet endroit, le chemin le plus mauvais, mes frères et sœurs, juste pour être heureux. Bon, ça c'est quelle façon d'être heureux en devenant fou à la fin. Mais regardez ce que ça donne. Comme vous le voyez, ça, c'est exactement ce à quoi ça ressemble. Le monde des jeunes riches. Les gens veulent devenir riches. Avoir de vraies femmes, oh, les vraies copines, elles sont jolies. Ils veulent avoir tout pour eux. Et rapidement, selon vous, combien y a-t-il ici? Combien de millions? Regardez bien. Et dites-nous dans la partie commentaire, combien y a-t-il ici? Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne devinerez jamais combien de millions il y a juste là. Mais vous n'imaginez pas ce que les gens sont prêts à faire. Pour avoir tout ça, tout ce pognon, oh ce pognon, comme vous le voyez, les gens sont même prêts à faire des sacrifices humains, comme cet homme qui a été arrêté par la police parce qu'il a tué sa copine pour avoir de l'argent. Toi tu es avec un gars, tu dis que oh, c'est mon gars, il m'aime. Or lui se prépare à même te sacrifier pour avoir de l'argent. C'est de cette affaire là, c'est de ce même contexte là. Qu'un jeune homme a attrapé la maladie. Non, 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 non. Ça, c'est pas une maladie. C'est tout simplement la folie. Pourquoi? Parce qu'il a refusé, lui, il a refusé carrément de livrer sa maman pour devenir riche. Ça dit quoi? Il allait voir un féticheur, tout ça, pour devenir riche. Et à un moment donné, il a demandé de sacrifier sa maman et il a refusé. Bon, vous pouvez penser que ce sont des histoires. Mais regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on lit ici? Qu'est-ce qu'on peut lire? Lisez avec nous. On nous dit, un brouteur serait devenu fou après avoir refusé de livrer sa mère pour un rituel. Ça peut paraître bizarre, mais il est là. Ne vous inquiétez pas, vous verrez la vidéo. Si vous êtes sensible, regardez les choses qui vont suivre. Regardez les choses suivantes. Mais nous devons aller plus loin pour voir d'autres choses encore. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ici? On nous dit,
Une vidéo devenue virale enflamme la toile. Ouais, ça c'est extraordinaire. Mais pourquoi? On nous dit que selon plusieurs médias nigériens, il serait devenu fou après avoir refusé d'utiliser sa main pour des rituels d'argent dans l'état de Delta au Nigeria. Selon plusieurs sources, l'incident triste et mystérieux s'est produit dans l'état du Delta de Sapele, où le jeune homme a été aperçu lors d'une exposition lunatique au bord d'une route très fréquentée. On l'entend dire dans la vidéo qu'il avait choisi d'utiliser sa partie privée, mais ils ont refusé. Il a également demandé pouvoir, plutôt, il a également demandé pourquoi pourquoi il ne lui avait jamais demandé d'utiliser son père pour le processus du rituel d'argent avant qu'il ne peut pas utiliser sa main tout en demandant où se trouve son ordinateur. Bon, ça, ce sont ce qu'ils expliquent, ce qu'il faisait, tout ça, quand il était devenu fou. Bon, vous-même, vous allez jeter un coup d'œil avec nous pour essayer de voir réellement comment ça a été, qu'est-ce qui s'est passé. Mes frères et sœurs, âmes sensibles, veuillez vous abstenir. Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir ici, c'est pas pour les enfants, regardez ça. Regardez ici. Regardez. La folie. Et là, c'était filmé. Hein. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne saurait que ce serait possible. Un jeune homme. Quel âge lui donnez-vous? Selon vous, quel âge a-t-il? C'est un jeune. Juste parce qu'il a refusé de donner sa partie privée ou de donner sa propre mère pour de l'argent, ça a mal tourné. Et la folie, il a été frappé de folie. Regardez. Il est en train de crier. Hein. Il est tombé même dans de l'eau ici. Regardez, regardez. Oh! Il est même en train de nager. Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mes frères et sœurs, il y a des choses vraiment graves comme ça qui se passe dans le monde entier. Ça, ce sont des choses réelles de chez monsieur, réelles de chez monsieur, réelles. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne le saurait. Et ça, ce n'est encore rien. Dis à ton ami qu'à côté, ça, ce n'est encore rien. Dis à ta soeur qu'à côté, ça, ce n'est encore rien. Dis à ton voisin, ça, ce n'est encore rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ici, nous allons voir un homme. Lui, son travail aussi, c'est de faire procéder à la même chose, mais différemment. Lui, il a une bague magique. Il a cette bague et il utilise cette bague-là pour tuer les gens pour des rituels. Et si vous lui demandez de tuer quelqu'un qui est proche de lui, mais avant de le faire, il va falloir qu'il utilise sa carte bancaire pour faire des retraits à la banque. Mais ça va mal tourner. Et voici comment il va devenir. Regardez. Mon Dieu. Voici ce qui se passe. Il a même commencer à manifester la folie. Les gens l'ont attrapé tout de suite. Ils l'ont attaché. Et pendant qu'ils l'ont attaché, là, cet homme était se confesser et nous raconte tout ce qu'il a fait. Quel âge lui donnez-vous? Quel âge? Regardez. Seigneur mon Dieu. Voici la réalité de la vie. Juste pour de l'argent, pour des papiers. Des papiers que nous venons de vous montrer. Les gens sont en train de faire des deals avec le démon.
Ça peut paraître bizarre, vous pouvez penser que c'est ta blague. Mais le gars, il était toujours en train de se confesser. Toujours en train de se confesser. Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir, mais quel est le problème? Quel est son problème? Quel est vraiment son problème? Nous allons vous raconter son problème, vous allez voir. Voici ce qu'on nous dit. Voici ce qu'on nous dit. On dit qu'il a. On dit qu'il a avoué également dans la vidéo qu'il a. Faisait des rituels d'argent appelant au passage le même, bon, on dit Kenneth, à l'embrasser parce que les deux ne formeraient qu'un. Il a également essayé de montrer l'anneau qu'il aurait utilisé pour les rituels d'argent. L'anneau, a-t-il dit, se trouvait dans sa poche, mais il ne pouvait le prendre car il était attaché. Alors que le drame se déroulait, les automobilistes et les passants se sont rassemblés sur le lieu pour voir par eux-mêmes l'homme qui continuait à s'exposer malgré le fait d'être ligoté. Comme vous l'avez vu, voici ce qui s'est passé. Et les gens sont en train de faire des trucs bizarres. Et les gens sont en train de faire des trucs énormissimes. Et les gens sont en train de faire des trucs même hors du commun que nous allons même vous montrer encore. Vous serez même surpris. Comment vous l'a dit? Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo pour alarmer les gens, informer les gens de ce qui se passe concrètement dans le game. Dans le game. Vous savez, il y a le phénomène de poutage. Il y a les gens qui sont, se font appeler des pouteurs. Des pouteurs, les gens les applaudissent. Ces gens même passent à des spectacles hors du commun pour nous montrer combien de fois ils ont l'argent plus que nous. Comme vous allez voir, c'est pas de la base, c'est pas de la frime. Vous serez même témoin de quelque chose d'hors du commun qui va se produire juste sous vos yeux. Est-ce que vous êtes même chaud? Est-ce que vous êtes même prêt? Ça, apparemment, ça a même déjà commencé ici. Et ici, ils sont même chauds. Bon. Vous le voyez, c'est ça le monde. C'est ça le monde. C'est le monde. Et c'est le monde. Quand ils font de ces rituels et qu'ils ont de l'argent, voici où ils viennent pour dilapider leurs sous. Regardez bien. Comme vous le voyez, vous avez en face de vous une personne qui est pleine d'eux. Comme on dit chez nous, qui a de l'argent. Et c'est l'argent dans sa poche. Et les gens ne savent pas clairement d'où ça vient. Mais tout ce que nous pouvons voir, c'est ce qu'ils sont en train de faire de cet argent. On appelle chez nous le beau camp. On appelle chez nous le beau camp. Et ça vient de l'argent. Ça vient de l'argent. Voilà. Beaucoup d'argent. C'est ce que les gens sont en train de faire. Voilà. On en a beaucoup d'argent dans la poche ou je ne savais pas dans quoi. Dans le sac. Et c'est cet argent là que les gens font maintenant. Les jeter. Voici beaucoup d'argent. Beaucoup. À la fin chez nous, le beau camp. Le travaillement. Mais est-ce que c'est même de la blague? Toi, tu travailles dur pour votre argent. Tu fais rien comme ça. Vous voyez? Voici ce que ça donne. Et c'est tout. Souvent, certaines personnes se sont laissées plaindre. Elles se plaignent, les personnes se plaignent, elles se disent « Ah, vous avez de l'argent comme ça, au lieu de réaliser, vous ne voulez pas réaliser, vous gaspillez comme ça, vous faites du n'importe quoi. » Tout ce que vous avez raconté là, vous l'avez raconté parce que vous êtes intelligent et que vous travaillez du pour votre argent. Mais ça, c'est de l'argent facile. C'est de l'argent gagné sans la sueur de son front. De l'argent gagné par des rituels. C'est à des conditions, vous ne pouvez rien faire avec. Sinon, de dilapider votre argent comme ça. Au pire des cas, si vous réalisez, il va falloir que vous fassiez des sacrifices encore sur d'autres personnes pour que vous puissiez construire une maison ou acheter une voiture, faire quoi que ce soit de ce genre. Et c'est réellement ça. C'est ce qui se passe. Voilà. On cherche de l'argent. C'est ça la belle vie. Vous voyez, on en a de l'argent. On jette. On en a de l'argent. On jette, même sans regarder les billets, dépenses sont comptés. On dépense sans compter, on jette de l'argent sans compter. Voilà, regardez bien.
Selon vous, est-ce qu'il compte? Il ne compte même pas, il n'a pas le temps pour compter. Comment va-t-il compter ça? Comment va-t-il compter? Comment va-t-il compter? C'est dans ces mêmes histoires-là que un homme qui faisait la même chose va aussi être frappé de folie. Et il va même continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Pendant que les gens sont en train de crier son nom, même chanter son nom. Vous serez même prêt à voir ça, vous serez même surpris. Est-ce que vous êtes même chaud? Est-ce que vous êtes même prêt? Partagez cette vidéo si ce n'est pas quoi faire pour informer les gens. Il n'y a rien dedans. On va crier ton nom dans le maquis. Oh, tu es le fort! Tu es le plus fort! Tu es petit, tu es comme ça. Et fini, vous êtes, tu vas finir après. Frappé de folie. Regardez ça. Le gars, c'est ce qu'il a l'habitude de faire dans les maquis. Jeter de l'argent comme ça. Jeter de l'argent. Là, il n'y a plus d'argent à sa poche parce qu'il est devenu fou. L'argent a disparu, où est l'argent? Il n'y a plus d'argent. Mais il continue à verser du jaune de l'argent comme ça. Si ça n'avait pas été filmé, personne n'aurait pu. Regardez. Et on chante son nom. Il se fait appeler un sénateur. Voilà. Il se croit toujours avec de l'argent. Il est devenu fou, hein, regardez. Il est à l'ouest, quoi. Là, il est à l'ouest. Voilà. C'est ça la fin. C'est ça la fin. La fin de ces chaînes de choses. Chaque chose a une fin. Toute chose a une fin. Mais il faut bien finir. Ne finis pas comme telle personne. Des personnes qui ont décidé d'entrer dans les bains noirs pour avoir de l'argent. Juste pour avoir des noms. Il faut qu'on crie mon nom dans les maquis ou dans les boîtes de nuit. Il faut que le monde entier sache qui je suis. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu aimerais finir comme ça? Travaille dur, mon frère, si tu ne veux pas finir comme ça. Et aide ton agent sur la bonne foi. Si cette vidéo n'avait pas été filmée, personne ne l'aurait cru. Partagez cette vidéo, abonnez-vous. Nous avons trois autres chaînes aussi. Cliquez sur ce bouton. Allez, ça va d'accord, abonnez-vous sur nos trois autres chaînes. Et regardez la vidéo qui va apparaître ici. Vous serez même surpris parce que vous allez le voir. C'est parti. Let's go.